des gestes, des visages, des prières murmurées, chuchotées dans la solitude ou chantées par des foules immenses. De l'Orient à l'Occident, de l'aube à la nuit, et tous les jours et toutes les nuits, depuis que l'homme est l'homme et qu'il questionne et sa vie, et les jours et les nuits. De la naissance à la mort, l'homme prie, espère, vénère ce Dieu aux noms multiples qu'il célèbre ou implore dans toutes les langues. Nous avons croisé, dans les cinq grandes religions de l'humanité, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, des enfants, des hommes, des femmes, les croyants. C'est à travers leurs rites et leurs prières que nous tenterons de mieux nous connaître les uns et les autres. Loin des intégrismes et des fanatismes qui défigurent les religions, loin des guerres saintes et des intolérances qui ensanglantent le monde au nom de Dieu. Nous allons à la rencontre des croyants, ceux qui vivent simplement sous le regard de Dieu. Mexico City, Notre-Dame de la Guadalupe. Comme chaque jour, des enfants en procession, bannières au vent, petits écoliers et musiciens pour l'occasion, rendent un hommage tonitruant à la sainte patronne de cette Amérique latine où vivent 360 millions de catholiques. Messe dans l'immense cathédrale, signe de croix, signe saint de croix pour se souvenir, pour les chrétiens, de la passion et du martyr, de celui qui est venu, disent-ils, au nom du Père, pour vivre la vie des hommes, ces hommes pour lesquels, depuis la nuit des temps, le désir de Dieu semble inscrit. Mystère de la Sainte Trinité, Dieu se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mystère aussi de l'Eucharistie, gage de la gloire céleste à venir, banquet sacré où le Christ est l'aliment, où est ravivé le secret de sa passion, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Le point central du christianisme, c'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Ce qui veut dire qu'il est venu parmi eux. Il est venu parmi eux pour les conduire, comme disaient les pères grecs, pour conduire les hommes à la divinisation. Je crois que c'est là aussi l'aboutissement. L'horizon couvre le christianisme. 2 milliards de chrétiens, ceux des églises d'Orient ou d'Occident, orthodoxes, catholiques ou protestants. Ce peuple chrétien proclamé prêtre, prophète et roi. Église assemblée ici, à Jérusalem, maison de prière pour toutes les nations. Jérusalem, cité céleste. Jérusalem, lieu saint entre tous pour le peuple d'Israël. Peuple à qui Dieu a parlé en premier, en ces termes. Vous serez pour moi un peuple et une nation consacrée. Et face au mur de Jérusalem, les Juifs d'aujourd'hui, ils ne sont que 13 millions, se souviennent, s'affligent, se réjouissent et prient. Quel est pour vous l'apport central, le message essentiel du judaïsme? Les rabbins s'y sont essayés. Ils ont souvent proposé des formules lapidaires. Certains, c'était « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je serais assez d'accord que c'est là probablement le message essentiel. Il se trouve en plus au cœur de la Torah, dans le livre du Lévitique. D'autres ont dit « écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, l'unité de Dieu ». Le chemin Israël. Le chemin Israël, la grande confession, prière juive quotidienne, bi-quotidienne. D'autres, à l'époque romaine, ont dit « le monde repose sur trois choses ». Alors, ce n'était pas toujours les mêmes, mais on retrouve en général l'étude, la prière et la charité. Ici, au 7e siècle de l'ère chrétienne, a été révélé au prophète Mahomet, le messager, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, la parole divine. La Mecque, centre et cœur du monde musulman. 1 milliard de pratiquants, dispersés de l'Inde à l'Atlantique, tournent leur regard vers la Mecque à chacune de leurs prières, du jour et de la nuit. 1 milliard d'hommes, de toute race et de tout pays, ont récité la Shahada, unique et simple profession de foi de l'islam. Il n'est Dieu que Dieu, et Mahomet est son prophète, la Mecque. Ici naquit l'islam il y a près de 14 siècles et d'ici se répandit à travers le monde le message coranique. Il faut lutter contre toute forme d'idolâtrie. Mahomet prêcha comme le firent avant lui Abraham, l'intime de Dieu, fondateur du monothéisme, père des croyants. Il prêcha comme Jésus aussi, cité dans 15 sourates du Coran et 93 versets. Oui, Mahomet, le dernier prophète, créateur de la religion monothéiste la plus jeune du monde, prêcha pour un Dieu unique, transcendant et immanent, créateur des mondes, seul juge, tout-puissant et miséricordieux à la fois. Islam veut dire soumission volontaire
et abandon de soi à Dieu. Abandon devant générer cet état de paix que donne l'abandon de soi avec confiance. Abandon de soi, confiance en ce Dieu qui peut prendre toutes les formes de la création. Des millions d'hindouistes, 800 millions, savent et pensent que l'univers tout entier, est un temple sublime dédié à la gloire d'une infinie multitude de dieux. C'est probablement la grande beauté de l'hindouisme. Il permet de créer son propre Dieu. Je peux réellement créer mon propre Dieu comme je souhaiterais qu'il soit. Il en a toujours été ainsi avec l'hindouisme à travers les siècles. Au départ, les gens aiment une pierre, puis ils commencent à lui rendre un culte. Cette pierre devient alors sacrée pour le dévot. Il a placé sa foi dans cette pierre. Tout est Dieu. La pierre, l'arbre, la statue, chacun le sien. Dieu est partout. 33 millions de dieux, dit-on, facettes d'un grand dieu unique, Brahma, l'énergie universelle, l'organisateur, l'ordonnateur du monde. Nous autres, hindous, on voit Dieu en toutes choses. L'idée est de voir Dieu des plus petites particules jusqu'au cosmos. Dans l'hindouisme, Dieu est un. Ce que l'hindouiste croit vraiment, c'est que chacun est le centre de l'univers, pas Dieu. Tout ne tourne pas forcément autour de Dieu. Tout gravite autour de vous. La grande affaire du bouddhisme, c'est quoi? Que nous dit le Bouddha? Il nous dit qu'il y a en nous quelque chose qui est complètement inexploité, qui est la vie spirituelle, et qu'il s'agit de l'épanouir. Et il nous donne une méthode. La méthode, c'est la méditation. Quant au reste, toutes les questions métaphysiques, d'où l'homme vient-il? Où va-t-il? Y a-t-il un Dieu créateur? Il éloigne toutes ces questions d'un grand rire. Le bouddhisme est certes une religion au sens étymologique, mais Bouddha, s'il a les attributs du divin, non, Bouddha n'est pas Dieu. Il est homme, mais d'exception. Il est l'éveillé. Il a atteint, par le travail de la méditation, le nirvana. Il est le bienheureux. C'est donc peut-être son rire, le rire de Bouddha, qui tord le cou à notre métaphysique occidentale et qui confère au monde bouddhiste, 400 millions d'êtres humains, son apparente vitalité et sa sérénité. Le bébé qui vient au monde, c'est le mystère des origines et celui de l'incarnation. Dans les cinq grandes religions de l'humanité, traditionnellement, les parents ont à cœur de lui transmettre un héritage, jugé par eux magnifique, la religion de leurs ancêtres. Cette première initiation scelle l'entrée des nouveau-nés dans le monde des vivants, sous le regard de Dieu. C'est le premier événement de la vie. Nous souhaitons la bienvenue au petit garçon au sein de l'Alliance et de la communauté d'Israël et nous lui faisons faire ce premier pas dans la connaissance de Dieu, le troisième partenaire dans ce miracle de la création. Nous accueillons le bébé en cette cérémonie de la même façon que nous accueillons le marié au seuil du mariage avec ces mots. Baruch haba. Oui, béni soit l'enfant mâle du peuple d'Israël qui va être circoncis. Oui, béni soit le Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de circoncire nos enfants. Ainsi est renouvelé le geste de l'Alliance, le signe intime de l'attachement du peuple d'Israël à Dieu. La circoncision rappelle le pacte qui lia Dieu au patriarche Abraham. À l'âge de 8 jours, que tout mâle dans vos générations soit circoncis, et mon alliance à perpétuité sera gravée dans votre chair. Le fait que la circoncision intervienne au 8e jour, pas au 7e, pas au 9e. Au 8e. Voilà, pourquoi 8e? C'est chargé d'une symbolique messianique. Le monde a été créé en 6 jours. Et le cycle de la création est de 7 jours, puisque le 7e jour, Dieu a interrompu son œuvre qui était achevée et il s'est reposé. Et ce qui doit arriver après ce cycle-là, au 8e jour, c'est du domaine de l'ère messianique. C'est-à-dire une fois que toute l'œuvre sera accomplie, alors le Messie pourra arriver. Dites à la maman que son fils va bien. Messieurs, mesdames, vous êtes tous invités à la bar mitzvah de ce jeune homme en l'an 2007. Thank
Et le rabbin chuchote à l'oreille de l'enfant circoncis les commandements de l'Alliance, le respect du jour sacré, du Shabbat et l'amour de Dieu. Alors que le père musulman murmure à son nouveau-né son nom d'islam. Tu t'appelles Ahmed Tourmouche. Tu t'appelles Ahmed Tourmouche. Senin adın Ahmet Durmuş. Senin adın Ahmet Durmuş. Senin adın Ahmet Durmuş. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de chuchoter à l'oreille de l'enfant son nom, et ce en raison des obligations de la religion musulmane. Car cet enfant qui sera un jour appelé par son prénom musulman lors du jugement dernier, eh bien, s'il n'a pas de vrai prénom religieux, il ne pourra pas se présenter devant Dieu. Ce ne sera pas sa faute, bien sûr, mais celle de son père et de sa mère. En Inde, lorsqu'un bébé naît, c'est l'âme d'un mort, cette âme qui a échappé aux flammes du bûcher qui revient sur cette terre. À travers ce bébé, c'est l'histoire répétée depuis que le monde est monde, du cycle sans fin de nos réincarnations successives, de nos vies éphémères, de nos morts et de nos renaissances après des séjours en des enfers ou des paradis provisoires. Alors il faut que cette vie-là, pour ce bébé-là, soit meilleure que les précédentes, afin que son âme puisse approcher du nirvana, que son âme enfin puisse fusionner avec l'absolu, avec Brahma, alors immortel. Immortel, il sera. Immortel comme Bouddha, ce prince réformateur né en Inde, bâtisseur de religion. Lui, il a offert la possibilité du nirvana pour tous. Tout enfant sera peut-être un jour un futur Bouddha, un futur être d'exception, un bodhisattva. Alors le moine ceint autour du poignet du bébé un petit cordon rouge, signe de l'appartenance à la tradition bouddhiste, signe aussi qui fait fuir les mauvais démons. Quelle signification a pour vous la cérémonie du baptême ? C'est surtout pour la purification de l'enfant. À la naissance, on est en état de péché et le baptême nous lave de ce péché. En faisant baptiser votre enfant, vous vous engagez à l'élever dans la foi. Je vous demande maintenant de faire le signe de la croix en lui apposant deux traits sur le front. Dos trazos en la frente del niño, sosténganle la cabeza a la mamá. Croyez-vous en notre Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? L'immersion d'un enfant dans l'eau symbolise sa mort, et on le fait ressusciter en le sortant de l'eau. C'est ce qu'a fait le Christ. Pour simplifier le geste, on mouille la tête de l'enfant, mais on pourrait aussi bien le plonger dans l'eau. Comment s'appelle-t-elle ? Ariana, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ te marque de l'huile sainte pour que, faisant partie de son peuple, tu demeures membre du peuple du Christ, prophète et roi. L'onction du front, c'est une sorte de couronnement. On donne un caractère sacré à l'enfant. On fait de lui un membre de la communauté chrétienne. Gerardo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cómo se llama esta muchacha? Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Anthony, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tenez, vous voulez bien vous approcher avec Rémis? Vous pouvez redresser le fond. Rémi et Anthony, par le baptême, Dieu notre Père vous fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, vous qui faites partie de son peuple. Je vous marque de l'huile sainte, afin que vous demeuriez membre du peuple de Dieu, peuple prêtre, prophète et roi. Le baptême, c'est l'entrée dans la communauté des chrétiens. Et ce sacrement, car il s'agit bien d'un sacrement pour l'ensemble des chrétiens, ce sacrement donne en quelque sorte aux fidèles la grâce, entre guillemets, c'est-à-dire la force, l'appui de Dieu dans les difficultés de la vie, et en particulier dans les difficultés religieuses et morales. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas trop en quoi je devais croire. Et au moment de l'accouchement, quand j'ai vu que mon fils est né et qu'il est en bonne santé, j'ai envie d'aller poser un cierge à l'église. Ah oui ? Ça ne s'explique pas. Ça vous était jamais arrivé avant ? Non, jamais avant. Vous n'étiez pas croyante avant ou... Je ne savais pas. J'ai eu envie de remercier quelqu'un de... De la naissance de cet enfant ? Oui, puis c'est Dieu qui... C'est Dieu qui... Qui m'a donné ce bonheur, c'est toi. Vous avez envie de le remercier vraiment ? De le remercier, oui. Voilà. Excusez-moi, mais... Vous êtes émue, c'est très dur. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Puis, à part le second, je crois que ce sera... La plus belle chose qui vous est arrivée de votre vie. Ah oui. Et qui, pour le moment, restera le plus beau jour de ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour moi, Louise, ça a été vraiment... On l'a perçu comme un don de Dieu. C'est Dieu qui nous confie, Louise. Il nous aurait pas... C'est pas un hasard si Louise est notre enfant. C'est Dieu qui nous a confié, Louise. C'est pas Pierre, Paul ou Jacques, c'est Louise qui l'a mis au sein de notre famille. Il nous l'a confié. On a été participants à la création de Louise, bien entendu. Hein. On y a très directement contribué, c'est clair. Mais Louise, comme les autres, mais le premier, c'est vrai, on le sent fortement, l'enfant est un... Oui, vraiment, j'ai pas d'autre terme que un cadeau du Seigneur. Il nous fait ce cadeau de nous confier la vie d'un enfant, ou de deux, ou davantage. L'enfant de 3 ans sait déjà qu'il y a un Dieu, il sait qu'avant de manger un bonbon, il doit réciter une bénédiction pour demander la permission à Dieu ou l'en remercier. Et donc Dieu, et c'est une donnée immédiate pour le jeune juif. Est-ce que Dieu, on peut le voir ? Non ! Est-ce qu'on peut le sentir ? Non ! Est-ce qu'il est partout ? Oui, oui. On ne peut pas le voir parce qu'il est invisible. Est-ce qu'on a 2 dieux ou on en a un ? C'est pour ça que c'est Dieu. C'est une petite fille. Et Dieu, elle est où ça? Je comprends pas. Ça peut être Samantha. Ah, ça peut être Samantha. C'est toi? Il est où, Dieu? Il est là. Ah, il est là. Il est tout autour de elle. Tout autour, là. Ah, d'accord. Ce bruit du chauffard annonçait la venue de Moïse. Maze et Gaza. Quand Moïse a vu le veau d'or, il s'est mis dans une colère terrible.
Il a jeté violemment les tables de la loi qui se sont brisées, ainsi que le veau d'or. Il y eut des éclairs de feu dans le ciel. Et on entendit une grande sonnerie de chauffard. Une semaine plus tard, Moïse revient du mont Sinaï avec de nouvelles tables de la loi gravées dans la pierre. En le voyant, les enfants d'Israël ont compris que ni Moïse, ni Aaron, ni Dieu ne les avaient oubliés. Et ils chantèrent la grande prière du peuple d'Israël, Shema Israël. En Inde, dans un tout petit village, une province du Nord, cette nuit, les enfants sont assemblés à la lueur des lampes tempêtes pour assister à une représentation théâtrale, musicale et sacrée, celle du Ramayana, long poème épique écrit vers 1700 avant Jésus-Christ. C'est l'histoire du dieu Rama, l'une des incarnations de Vishnu, dieu de la trinité hindoue, avec Brahma et Shiva. Une histoire de combat et de fureur, de miracles, de larmes, de rires et de danse. Une histoire édifiante aussi. C'est l'éternelle lutte du bien contre le mal. Le héros Rama triomphera de tous les démons du monde. C'est ainsi que les enfants hindous apprennent par la magie d'un spectacle ambulant à aimer, à connaître l'histoire mythologique et folle de ces dieux aux passions si humaines et si familières. La toute première chose dont je me souvienne, c'est le grand nombre de dieux et déesses et d'être allé au temple avec mon père et ma mère. C'était un tout petit temple, car je suis né dans un village à la campagne et il n'y avait qu'un seul temple. J'étais vraiment impressionné par tous ces dieux et déesses. J'avais peur de la déesse Kali. Et comme vous l'avez vu, elle a un regard farouche, une langue pendante. Oui, elle avait constamment ce regard terrifiant avec ses nombreuses têtes. La première fois que j'ai vu une de ces statues, j'ai fait un cauchemar. N'oubliez pas que nous sommes comblés de joie. Alors il faut que ça se voit, hein. Faut pas chanter ça. Que tes ombres sont belles. Que tes arbres sont grands, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Dieu dit que les eaux sous le ciel laissent apparaître la terre. Il y eut la terre. Dieu appela la terre terre et l'eau mer. Il y eut des bêtes sur la terre, des bêtes sauvages, des grosses bêtes, des petites bêtes. Toute cette création, il l'a faite pour l'homme. Et Dieu, dans sa grande sagesse et dans sa grande bonté, cette terre, il nous l'a confiée. Alors nous en sommes responsables. Et nous avons la chance, nous, les hommes, de pouvoir participer aussi à la création de Dieu, en en prenant soin, en l'embellissant, en y participant. Vous avez vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais le Christ, lui, c'est l'image parfaite. Est-ce que nous sommes parfaits, nous? Non. Pourquoi non? Si on est parfait. Parce que... On fait des péchés. Ah, on fait des péchés, oui. Et dans la mesure où on est avec Jésus, alors, oui, on devient parfait. Comme Jésus, il est l'image parfaite. Comment vous avez parlé pour la première fois de Dieu à vos enfants? Je crois que la première fois, on a dû parler de Jésus. Jésus. De Jésus. En lui parlant de Jésus, en lui racontant la vie de Jésus en... Oui, en parlant de Jésus, en disant bonsoir à Jésus, bonjour à Jésus, merci Jésus. Devant une bougie, devant... Après, on a dû apprendre à faire le signe de croix. Et Jésus, il aurait devenu quelqu'un d'assez familier? C'est ce qu'on s'évertue à leur...
je dirais, à leur transmettre. C'est cette proximité entre le Christ et eux-mêmes. C'est vraiment à une personne qu'on s'adresse. Oui, je dirais que c'est qui s'adresse à... Il s'adresse à Jésus. Oui, il s'adresse à Jésus. Il s'adresse à quelqu'un. C'est ce qu'on veut, en tout cas, qu'ils ressentent dans leur cœur. Ça vient, je dirais, progressivement, mais l'éducation à la foi telle qu'on la sent dans notre cœur, c'est leur faire rencontrer Jésus. Et qu'ils perçoivent que ce n'est pas des idées, quelque chose, mais quelqu'un. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret. Quelle est la particularité de l'enseignement protestant? Mais je crois qu'on met beaucoup l'accent sur une responsabilité individuelle. Par exemple, avec les enfants, on essaye de leur donner le matériel, de témoigner comme on peut, mais après, c'est à eux de mettre les choses en place. Qui est Jésus par rapport à Dieu? Comment vous imaginez que ça se passe, Jésus et Dieu? Mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire? C'est qu'ils sont... Ils ont un peu la même force, ils font un peu la même chose. Au Japon, vers 6-7 ans, les enfants, garçons et filles, sont présentés solennellement au temple bouddhiste. Petit kimono de luxe et smoking de fête. On tire la cloche pour réveiller les esprits. Ensuite, on leur apprend les premiers gestes de cette étrange religion sans Dieu, de cette religion où tout semble être voué à l'excellence et à la répétition stricte d'innombrables rituels qu'il faudra enseigner dès l'enfance, afin que les postures, les textes sacrés, restent gravés à jamais dans le cœur et dans les mémoires. . 7h30 du matin, les enfants de l'ashram de Vrindavan, l'école de la conscience de Krishna, commencent les cours par une prière à la gloire de ce dieu avatar de Vishnu, ce dieu drôle et vif, inspiré et bienveillant, joli cœur et coureur de bergères. Il symbolise l'amour et la compassion. La prière, répétée tous les matins par ces enfants, est un appel à l'harmonie et à la paix universelle, dont Krishna est le héros. Today you'll continue with your list on the board. This list begins the second half of the entire section of spelling words. Pouvez-vous m'expliquer comment vous voyez Krishna? Me dire ce que vous savez de lui. Le Seigneur, enfin le Dieu Brahma, est à l'origine de toutes les créations. Ici, nous croyons tous en Krishna. Pourquoi la plupart des hommes dans le monde n'y croient pas? Il y a plein de dirigeants et de présidents dans le monde qui s'occupent des grands pays. Ces gens-là croient que c'est eux le pouvoir. Certains ne croient pas en Krishna. Ils disent qu'ils ne l'ont même jamais vu. Ils ne savent pas que c'est le Dieu Krishna qui est le vrai pouvoir. Dieu... C'est un père qui, lui, ne partira jamais. Un jour, il verra son père mourir.
mais il a un Père éternel qui, lui, la relation avec lui va jamais finir. Les relations de ce monde, elles vont, un jour, elles vont s'arrêter, elles vont partir. Un jour, sa mère va mourir, un jour, son père va mourir. Et l'amour, s'il aura tout basé là-dessus, il y aura souffrance. Donc cet amour qui est là, il ne faut pas tout investir dans les relations familiales, amicales, etc. Mais la base même de l'amour, c'est Dieu. Dans cette petite église du sud-ouest de la France, Monsieur le curé célèbre aujourd'hui la première communion. C'est le rite religieux par excellence. Mystère de l'Eucharistie, gage de la gloire céleste à venir pour tous, initiation à l'idée de ce Dieu en trois personnes. C'est, après le baptême, l'entrée du jeune catholique dans la vie religieuse. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus leva les yeux au ciel et il pria ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. Nous prions aussi pour tous les enfants de chez nous qui sont malheureux, les enfants maltraités, les enfants sans famille et tous les autres. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au XIXe siècle, ça devient véritablement un rite de passage, au sens de Van Gennep, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est un rite social. C'est pas seulement un rite religieux, c'était vraiment une fête familiale considérable et un rite de passage. D'ailleurs, parfois, certains patrons ne prenaient leurs apprentis qu'après la première communion, par exemple. C'est pour donner l'importance du rite de passage que c'était devenu. Ah oui, ça voulait dire qu'ils devenaient responsables, voilà, sérieux, voilà. C'était plus des gamins. Exactement, quoi. Exactement. Des gamins. Voilà, oui. Mais c'est un sacrement. Ah, c'est un sacrement. La nuit même où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant. Prenez et buvez, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le corps du Christ. 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 C'est à partir de l'âge de 8 ans que le jeune musulman peut et doit être circoncis. Ce sera le signe de son appartenance à la communauté musulmane. En Turquie, le jeune garçon est paré, habillé, il est le roi de la fête. Même de vrais clowns sont là pour tenter de le divertir. Ils y réussiront. Un instant. Ah,
Ensuite, ce sont les prières et bientôt le geste ancestral. Dieu est grand, il est unique. Que Dieu nous donne la force et qu'il nous aide. Le petit garçon va devenir un homme par ce rite de passage qui puise ses racines au plus lointain des religions sémitiques. Voilà, on applaudit l'enfant. Circoncis dans sa chair et, dit-on, dans son cœur, il n'est plus le même. Alors le petit roi reçoit les présents de sa famille et des amis et des amis des amis. Puis commence pour le jeune musulman l'apprentissage intensif du livre par excellence, la parole de Dieu, le Coran, qui appelle l'humanité à l'épanouissement et au bonheur dans l'amour d'un Dieu unique. Les versets d'ailleurs s'y nomment Ayat, ce sont les signes de Dieu, répartis en 144 chapitres ou sourates. Il s'agit vraiment de faire, de s'approprier d'une certaine manière, ou de devenir le lieu de passage de ce souffle divin qui vous traverse, et en vous traversant, il vous rattache à la sphère divine et en même temps il vous purifie. Il fait de vous un homme de Dieu. Chez les Juifs aussi, peuple du livre, il naît d'enseignements religieux sans la lecture mille fois répétée, commentée, rythmée, scandée de la Torah, les sept livres du Pentateuque de la Bible. Cette sainte Torah, donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, en signe d'alliance éternelle avec le peuple d'Israël. Rien n'est possible à l'homme s'il ne passe pas par le moule de la réflexion et de l'étude. Et un de nos textes nous dit que l'étude de la Torah est à elle seule plus importante que l'observance de tous les commandements, quels qu'ils soient, rituels, moraux, les 613. Etc. Les 613 commandements. L'étude de la Torah est au-dessus de tout, ou les vaut à elle seule. Mon père, le jour de ma bar mitzvah, m'a dit « je te demande trois choses dans la vie ». Il a dit ça en yiddish alsacien, c'est-à-dire « lernen, lernen, lernen ». Ça veut dire « étudie, étudie, étudie ». C'est ça ce qu'il m'a demandé, c'était ça, la seule exigence à mon égard. La fleur de lotus dans la boue, c'est une image célèbre du bouddhisme qui dit que la plus belle fleur,
Le lotus fleurit dans la boue. Et donc nous aussi dans ce bas monde, sale comme de la boue, si on réalise l'éveil, de la même façon que la plus belle fleur, l'éveil se réalisera dans ce monde qui est sale. Pourquoi l'esprit religieux se perd en Occident? C'est parce que les Occidentaux ont trop eu la religion du livre, donc du verbe, du concept, et à force, à travers la théologie, à travers le langage, ils ont perdu l'expérience initiale. Et cette expérience initiale, quelle a été la méditation du Christ dans le désert? C'est ça que moi, en tant que né chrétien, m'a toujours intrigué et je crois avoir retrouvé à travers Zazen. Cet état de communion, cet état d'unité intérieure. Notre religion en Occident a été celle de l'inquiétude, mais aussi de l'activité. Toujours se dépasser soi-même. Alors que le bouddhisme invite à s'extraire du monde, pour retrouver son soi profond. Et ce soi profond coïncide, donc l'extinction, le nirvana, l'extinction du soi profond aboutit, si vous voulez, à une sorte de fusion dans l'âme de l'univers. C'est plutôt une philosophie, quelque chose de très dur, appliqué quotidiennement comme ça, autour de soi, essayer de tolérer, de ne pas être trop enchaîné par la passion, c'est tout ça. Donc la vie religieuse, c'est pas tout à fait dans le sens... qu'on entend occidental, hein. C'est-à-dire il n'y a pas des règles comme ça très précises, c'est plutôt un art de vivre, essayer de vivre en harmonie. Cette harmonie est recherchée et dès le plus jeune âge. Contrôle de soi, maîtrise de l'énergie, vigilance. Les arts martiaux contribuent à cet état d'éveil, le satori du bouddhisme japonais, cette présence immédiate et totale au monde. Cette quête incessante de l'instant présent. Ici, le kendo est un complément de l'initiation morale et religieuse du jeune bouddhiste. Comme si la beauté du corps, la précision des gestes, était le reflet d'un esprit transfiguré par la méditation. À l'âge des communions catholiques ou des bar mitzvahs juives, le jeune Kodo, lui, fait aussi son entrée dans la vie religieuse. Peut-être sera-t-il moine, comme son père, et comme lui, dédiera-t-il sa vie à Bouddha. Toi, le Fils de Dieu qui se présente devant la lumière pour devenir son disciple, tu dois savoir que le nirvana complet est profond, comme l'océan du cosmos infini. Tous les êtres du monde, avec toi, avec moi, célèbrent l'éveil de Bouddha. En Inde, là où le temps est cyclique, là où il n'y a ni commencement ni fin, où tout ce qui vit se réincarne, y compris les dieux, c'est le temps près du Gange sacré de la deuxième naissance. Il s'agit de l'initiation religieuse la plus importante pour le jeune hindou de la classe des brahmanes, les hommes prières. Après leur avoir rasé les cheveux, en signe d'humilité, on remet aux jeunes garçons les bâtons des pèlerins et les saris jaunes des renonçants. C'était la première fois qu'on nous accordait de l'importance en tant qu'enfants. Nous étions des héros en quelque sorte, puisque tout le monde était venu pour nous. C'était une sensation très agréable de savoir que tant de personnes étaient venues de très loin et que cette fête était en notre honneur, ce qui est vraiment rare lorsqu'on est gamin. Jour solennel et joyeux, initiation attendue dès l'enfance. Il s'agit vraiment d'une naissance, la vraie, celle de l'esprit, du karma définitif qui se façonne aujourd'hui.
Alors les jeunes initiés qui ont fait vœu ce jour-là d'être mendiants vont traverser la ville en fête et quêter de maison en maison leur nourriture. Je me souviens d'avoir fait plusieurs vœux, comme ne plus grimper aux arbres, de ne pas faire de mal aux animaux, de pratiquer la non-violence, beaucoup de choses en rapport avec la non-violence, et de répéter régulièrement certaines prières, mais aussi de vénérer les dieux et d'acquérir autant que possible dans cette vie-là la connaissance. Afin de comprendre le monde. Ça, c'est la deuxième initiation. La première a eu lieu à ma naissance. Normalement, la troisième cérémonie aura lieu lors de mon mariage et la quatrième à ma mort. Et après avoir appelé sur ses 113 enfants la clémence de tous les dieux et déesses de l'Inde, on va leur remettre le cordon jaune sacré. Signe d'appartenance à la classe des brahmanes, cordon qu'ils ne quitteront qu'à leur mort dans les flammes du bûcher. Le jeune juif, lui, à l'âge de 13 ans, célèbre sa bar mitzvah. C'est le rite d'entrée dans la communauté. Le garçon devient littéralement le fils du commandement. À partir de cette fête, il est un membre à part entière de la communauté juive. Il est petit, vous serez. Il est petit. C'est un symbole, un sur le bras, qui est la force matérielle, le travail matériel de l'homme, et un téfiné de la tête, qui est le symbole de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, on se met au service de Dieu, tant sur le plan matériel que sur le plan intellectuel. Voilà le premier sens du téfiné. Allez, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kidishanu Bemitzvotav Vetzivanu Al Al Mitzvat Mitzvat Te Tefilin. Adonai Melech. Ce jour-là, le jeune garçon lit la Torah et un signe honneur dirige la cérémonie près du rabbin. Il fait alors partie du nombre minimum d'adultes, 10 personnes, le minyan nécessaire à la prière. Après la bar mitzvah, les quelques mois qui suivent la bar mitzvah, il y a un changement total chez un garçon. Il prend vraiment conscience, surtout un enfant qui a été élevé dans le milieu un peu de la religion, école juive. Enfin, c'est le cas de mon fils. On est moderne, mais on est quand même assez pratiquant. Il prend réellement conscience, l'enfant, que ça y est, il est devenu un homme. Et il doit se comporter autrement, il doit plus faire l'idiot. En société, je pense que l'enfant lui-même ressent énormément cette chose. Ô mon Dieu, Dieu de mes pères, en ce jour solennel qui marque mon passage de l'enfance à la maturité, je déclare que désormais, j'observerai tous tes commandements. Quand j'étais tout petit, j'ai été introduit dans ton pacte sacré. À partir d'aujourd'hui, membre actif et responsable de la communauté d'Israël, je ne cesserai de glorifier ton saint nom à la face de toutes les nations. Jugé plus précoce que les garçons, c'est à 12 ans et non à 13 que beaucoup de fillettes juives célèbrent leur bat mitzvah. Elles aussi, comme les garçons, deviennent les filles du commandement. Elles aussi atteignent là leur maturité religieuse. Le talit, voyez-vous, c'est le symbole du cosmos. C'est Dieu lui-même qui est plus grand que le monde, qui est plus grand que le cosmos. Dieu est infini. Et on l'a symbolisé, n'est-ce pas, à travers ce talit, ce vêtement à quatre coins qui représente le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et le juif, chaque jour, avant de commencer le travail, dès qu'il se lève, n'est-ce pas, il s'enveloppe déjà de l'idée de Dieu pour que toute la journée, il ait sur lui l'idée de Hakadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Le rouleau de la loi, celui de la Torah, est enfin brandi aux yeux de toute la communauté, cette Torah vénérée, fêtée, louée. Et c'est l'enfant, garçon ou fille du commandement, bar ou bat mitzvah, qui a eu
l'honneur, en début de cérémonie, de porter en triomphe la Torah tout autour de la synagogue. Ainsi, nous avons croisé les commencements religieux, baptême, circoncision, initiation, communion, ceux de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, sous le regard de Dieu, des dieux ou celui de Bouddha. Demain, ce seront les mariages, la rencontre d'un homme et d'une femme, une alliance souvent considérée comme scellée, sanctifiée par Dieu. Demain, ce seront les jours et les nuits, les lunes et les soleils, les prières du matin et du soir. Un monde qui célèbre des rives du Taj au building de New York, l'unité de la création. Demain, ce sera la cité de Dieu, celle, ici et maintenant, des vies de femmes et d'hommes placées sous le regard de Dieu.